Tout d'abord, bonjour. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est mon plaisir. Moi, je m'appelle Rania Alouani. J'étais une nageuse égyptienne. La natation n'est pas commencée comme natation. Ma famille est une famille très sportive. Toujours, on devait choisir un sport. J'ai participé au tennis, au volleyball, basketball. Et puis, finalement, j'étais mieux à la natation. Alors, c'est ça que j'ai continué. Ma famille est quand même une famille sportive, mais encore on est très concerné qu'on étudie bien. Mon père, il est médecin, ma mère, elle est ingénieure. Alors moi et mon frère, on a fait presque le même. Mon frère, il est ingénieur, encore un nageur. Il est nagé à Sydney 2000. Moi, je suis médecin de gynécologie obstétrique. Chez nous, dans la famille, c'était très important d'être un athlète, mais en même temps, on s'occupe toujours des études. On était très intéressés de faire la balance entre les deux. Pour nous, le sport, c'était pas seulement pour être des champions, mais aussi pour la formation d'une personnalité qui est un peu équilibrée, dans notre opinion, bien sûr. Moi, j'étais très, comment dire, très, j'avais la chance d'avoir une famille qui s'occupe de moi des deux côtés, pas seulement l'éducation, mais encore le sport, parce que ça m'a donné une chance de voyager beaucoup, de voir tout dans le monde et d'accepter d'autres cultures et d'apprendre d'autres expériences. Alors je pense que c'était bien pour moi et j'espère que je pourrai faire ça avec mes enfants parce que c'était très difficile pour mes parents. Alors ça sera difficile, j'essaye, mais j'espère que je pourrai le faire. L'impact du sport, normalement, sur la vie sociale, normalement, c'est un peu négatif au commencement. Au commencement, quand on était jeune, on avait beaucoup d'entraînement, on avait beaucoup d'heures à mettre, pas seulement l'entraînement dans l'eau, mais d'autres entraînements comme mental et au gymnasium. Alors, ça prend beaucoup du temps. Et avec les études, comme des étudiants, jusqu'à 16, 17 ans, c'est très difficile à faire la balance. Alors, le seul côté qu'on manque, c'est normalement le côté social. Alors, oui, bien sûr, jusqu'à 23 ans, j'ai essayé de faire tout. C'était difficile, mais après ça, quand on arrête, bien sûr, la vie sociale devient de plus en plus, comment on dit, chargée. Mais je pense que c'est des trajectoires normales. Je pense que chaque partie de notre vie, on doit concentrer dans un domaine. Alors, je pense que c'est normal, mais le sport en tout nous donne un équilibre qu'on a besoin pour le reste le reste de notre vie. Pour moi, la passion du sport, ça doit commencer à un âge très jeune. Pour moi, par exemple, avec mes enfants, je ne force jamais un sport. On commence un sport pendant l'été et on essaye un autre sport. Pour être dédiqué au sport, on doit aimer ce sport. Alors, pour les enfants, on doit leur donner des expériences différentes avec plusieurs sports qu'ils participent. Par exemple, avec mes enfants, je les ramène aux championnats, je les ramène aux Jeux Olympiques. Ils voient comment les champions, parce que pour eux, ils s'entraînent, c'est difficile de faire l'entraînement, mais tu dois leur donner ce qui est à la fin. Ça, c'est la fin, on prend des médailles, nous sommes connus, nous sommes aimés par tout le monde. Alors, c'est eux qui décident quel sport ils vont faire, mais en tout, ils connaissent que la fin est quelque chose qui est formidable.
Moi, je pense que la révolution qu'on a connue il y a un an et demi, je pense que tout le monde avait une idée que l'avenir, ça sera bien. Mais maintenant, ces jours-ci, je pense que le sport, quand même, est très affecté. On n'a pas même des compétitions, ce n'est pas au même niveau. Le niveau du sport en Égypte n'est pas le niveau du sport égyptien. Normalement, on faisait des compétitions en haut niveau. Je pense que la révolution elle-même n'a pas causé ça, mais ce qui se passe ces jours-ci, c'est ça le problème, parce qu'on avait un meilleur futur, je pense, mais ces jours-ci, je ne suis pas très contente de ce qui se passe. Pour moi, comme rôle ou des positions que j'ai participé au sport, je suis participé aux élections du Ahli Club, le club de football qui est fameux en Égypte. Je suis membre des directeurs du club. Au sein international, je suis membre de la Comité international olympique jusqu'à août 2013. C'était pour 8 années parce qu'on a des termes qu'on doit finir. J'étais membre aussi de la commission médicale du CIO qui s'occupe des choses médicales pour le sport international. Encore, je suis membre de la commission exécutive de l'AMA, c'est l'Agence mondiale antidopage. Je suis sûre que vous connaissez le sport, on a beaucoup de dopage. On pense que c'est une façon de tricher, alors pour nous les athlètes c'est très important de le combattre. Moi je suis membre des autres organisations qui s'appellent la paix et le sport. C'est une organisation où les champions qui ont arrêté, ils peuvent faire des lectures n'importe où dans le monde pour améliorer les communications entre les pays et ramener un peu de la paix dans notre monde. Encore, j'ai deux compagnies en Égypte pour faire des compagnies de sports management ou dirigeants de sport. C'est tout. Le sports management, oui, on a beaucoup de compagnies ici en Égypte et ça ne dépend pas seulement des académies ou des choses techniques, mais c'est dirigeant les clubs, dirigeant même la construction du club dès le commencement, parce que des fois on fait des choses et puis on pense qu'on avait besoin de faire d'autres choses pour avoir une compétition internationale. Alors ils nous utilisent pour avoir les standards des compétitions. Une consultation au commencement pour faire tout en bon standard. Alors que je pense que c'est bien, c'est quelque chose qui est nouveau en Égypte, mais ça fonctionne bien maintenant. Il y a 4-5 compagnies de la même façon. Ce n'est pas seulement consacré au football, non. Moi-même, je ne fais rien avec le football. Je travaille avec les clubs pour les constructions des facilités. Je travaille avec le club pour le management ou pour diriger le club, diriger les sports différents. Et même on a des compétitions internationales, des compétitions pour améliorer les niveaux des athlètes. Et même on a des façons pour les athlètes qui sont très doués, on peut les envoyer dehors avec des entraîneurs. C'est améliorer le sport en tout. L'Égyptienne ne sera plus une fille sportive, mais moi je ne pense pas que ça va se dérouler maintenant, peut-être dans 10-15 années si on continue de la même façon. Mais pour le moment, on a des nageuses qui étaient 5e aux Jeux Olympiques de synchro, on a des gymnastes, on a beaucoup de filles sportives qui sont très bien. Et moi je pense que même si on a des strictes, comment on va dire, des personnes qui sont plus strictes,
Je pense qu'il y a des sports même que les femmes peuvent faire sans avoir beaucoup de problèmes. On a l'aviron, on a basketball, volleyball, tous les sports qui n'ont pas besoin d'une costume de natation ou une costume de gymnastique. Alors, si ça a le problème, on a 28 sports, on peut choisir. Et je pense que la femme égyptienne continuera toujours à faire du sport, Inch'Allah. Pour moi, le pays qui est plus cher maintenant, c'est l'Égypte, bien sûr, parce que je pense que ça, c'est notre pays, c'est le pays qu'on avait toujours rêvé d'améliorer et de faire le meilleur pays du monde. Mais ça me fait mal que je vois mon pays comme ça maintenant. Nous sommes des personnes, des athlètes, nous sommes des personnes qui ne peuvent pas quitter normalement. Moi, je suis retournée des États-Unis après 6 ans à l'université parce que je veux retourner chez moi. Alors, ça, c'est chez moi. Les autres pays, c'est les États-Unis parce que j'étais là-bas pour 6 années pour m'entraîner. C'est là où j'ai amélioré mon niveau, c'est là où j'ai gagné mon expérience. Alors, c'est toujours proche de mon corps. Comme femme, je pense que les difficultés, c'était seulement les choses sociales. Parce que tout le monde, par exemple, peuvent dire, ah, à 23 ans, tu dois te marier et avoir des enfants. Mais moi, je suis nageuse et j'étudie la médecine. Alors, il y a d'autres choses que je voulais faire. Ça, c'est la pression de la communauté. Mais pour nous, j'avais de la chance que j'avais une famille qui connaissent que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on doit faire maintenant, et toutes les choses sociales peuvent venir plus tard. Et je pense que c'est ça le problème pour toutes les femmes arabes, pas seulement les femmes égyptiennes, mais quand même en Égypte, on est mieux que les autres pays. Mais je pense que les obstacles au niveau technique, je pense pas que c'est consacré seulement aux femmes, c'est les femmes et les hommes au niveau technique, mais le niveau social, c'est la culture, c'est ça qui affecte la femme en plus. Oui, je pratique la médecine maintenant 2-3 fois par semaine seulement. Je viens de finir mon magistère de gynécologie obstétrique à l'université Ain Shams. Et j'essaye que dans 10 années, bon, ça prend du temps pour les médecins, dans 10 années je serai, j'espère, aussi bien que j'étais comme une nageuse. Le soutien de ma famille, c'était...